Cette promenade en forêt est une merveilleuse idée. Respirez à plein poumon, les amis. Sentez ces douces odeurs d'automne. Yes! Oh. Ça va, Bouzy? Qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Ce n'est pas ta faute si la feuille est tombée. Il ne faut pas te mettre dans cet état. Bouzy, quand vient l'automne, les feuilles des arbres tombent et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, pourquoi elles tombent spécialement à cette saison? En automne, la température diminue. Pour survivre au froid de l'hiver qui s'annonce, l'arbre arrête d'alimenter ses feuilles en sève. Privé de nourriture, les feuilles, elles tombent. Qu'est-ce que c'est, la sève? C'est la nourriture de l'arbre. À l'automne, les canaux qui apportent la sève jusqu'aux feuilles se referment. Eh bien, tu vois, Bouzy, c'est normal. Mais pourquoi l'arbre ne continue pas à nourrir ses feuilles? Lorsque le froid s'installe, l'arbre doit mettre en place son système de survie pour l'hiver. C'est pourquoi il garde toute la nourriture dans son tronc. Reste le problème de ses feuilles. Elles sont très fragiles et ne résistent pas aux basses températures. C'est pour ça que l'arbre s'en sépare. Et comme les feuilles n'ont plus rien à manger, elles tombent. Exactement. Mais c'est très bien qu'elles tombent. Cela leur évite de geler et de fragiliser l'arbre, qui risquerait alors de mourir. Bouzy! Tu veux aller voir dans la feuille? Oui, à Gouyoulou. J'espère que cette exploration va te consoler. Bouzy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Magadanitato. Waouh, c'est ça la sève? Oui, et elle coule dans les canaux de la feuille comme le sang dans les veines. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je consulte le moniteur. Ah, la sève se retire de la feuille qui va bientôt tomber. Oh là là. Le vaisseau vient de s'échouer. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la sève s'est retirée. Elle ne va plus jusqu'à la feuille. Mais où court-il comme ça? Bouzy, pourquoi tu as quitté le vaisseau? Je crois qu'il veut sauver la feuille. La couleur change autour de nous, c'est normal? Ça veut dire que la feuille va bientôt tomber. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est pas vrai, voilà le pétiole qui se bouche. C'est très mauvais signe. Et c'est quoi le pétiole? C'est la partie qui raccroche la feuille à sa branche. Il se bouche avant que celle-ci ne tombe. Oh, tu n'arriveras pas à empêcher le pétiole de se refermer. L'arbre est programmé pour se protéger. Oh, c'est tout beau. Regardez, la feuille est presque rouge. Il faut faire vite, elle ne va pas tarder à tomber. Bouzy, reviens, vite! La feuille doit tomber, tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. Bon, je vais le chercher. Bouzy, tu ne peux plus rien faire. C'est comme si tu voulais empêcher la nuit de tomber. C'est impossible. Calme-toi, Bouzy, laisse-toi faire. La feuille se décroche. Bouzy, attrape un dégoût. Au secours! Oh non, un dégoût est collé. On tombe avec la feuille. Au secours! Comme je suis content de vous voir. Alors, Bouzy, pas trop secoué? Doucement. Maintenant que tout le monde est là, je propose un retour sur Célesta. Macro-miniaturisation. Woo-hoo!
Est-ce que tu as compris, Bouzy, que la feuille pousse pour une saison, tandis que l'arbre est là pour des années? Si tu empêchais les feuilles de tomber, tu rendrais les arbres malades et il n'y aurait plus de forêt. C'est génial comme système. Oh, la nature est bien faite, elle pense à tout. Tu as compris pourquoi les feuilles tombent en automne? C'est parce qu'avec la saison froide, l'arbre doit mettre en place son système de survie pour l'hiver. Du coup, les feuilles tombent. Comme ça, elles ne fragiliseront pas l'arbre qui sinon risquerait de mourir. Et il est protégé jusqu'au printemps. Au revoir.